Qui est-ce qui la présente? Elle est posée? Elle n'est pas posée? Madame Surplis. Monsieur le Président, il est tard, j'ai compris, tout le monde va écouter, alors j'irai droit au but. Deux choses. La première, merci de bien vouloir nous donner des nouvelles de ce fameux blason régional déposé il y a plus d'un an maintenant, en juin 2018, sur nos tables. D'ailleurs, combien cela a-t-il coûté? Qui a été mandaté? Et quand est-ce que nous reverrons ce blason sur nos tables? Car j'imagine que des sommes ont été engagées. Deuxième chose, et vous savez que je suis une femme opiniâtre. C'est donc la troisième fois en deux jours, Monsieur le Président, que je demande à vos équipes de nous donner le montant des subventions attribuées au Printemps de la Jupe et du Respect et à Sexpo, de subventions LGBT, pro-gender, etc., etc. Monsieur le Président, je sais que ce sont les grèves, mais je vous pose la question, y a-t-il un pilote dans l'avion? Vous semblez ne pas avoir été au courant de ces subventions, mais... Allez, admettons, vous êtes un peu coutumier du fait. La région a subventionné la Galerie des Limbes à Saint-Étienne, la région a subventionné le Festival des Écrans Mix, etc., etc. Que devons-nous penser de cette région Auvergne-Rhône-Alpes, autoproclamée, je le rappelle, hein, autoproclamée la mieux gérée de France, si vous n'avez même pas connaissance de ce qu'il se passe à bord? Une dernière phrase, Monsieur le Président, et c'est Chateaubriand qui vous parle. Les institutions passent avec par trois périodes. Avec votre voix d'outre-tombe, c'est ça? Ça, c'est bas. On a dit pas le physique, Monsieur le Président. Je vous rappelle que vous avez une barbe, vous avez refusé de m'embrasser l'autre jour, donc je me demande si vous ne vous radicalisez pas trop. Donc je reprends une dernière phrase, Monsieur le Président, et s'il vous plaît, mes chers collègues, c'est Chateaubriand qui vous parle. Les institutions passent par trois périodes, celle des services, celle des privilèges, celle des abus. Très bien, merci Madame Surplis. Alors on n'en est ni aux privilèges ni aux abus. Pour répondre très clairement à votre question, 1, il n'y a eu aucun argent mandaté sur ce sujet du blason. Nous l'avons dessiné bien tranquillement avec une association et avec un certain nombre de bénévoles qui nous ont aidés sans que nous déboursions quoi que ce soit. Et où est-ce qu'il est? Il est juste derrière moi. Et si vous sortez tout à l'heure, vous verrez sur un joli mât les couleurs fières de notre région arborée. Voilà, ça n'est pas belle la vie. Et pour le reste, je me contente de répondre à votre question orale. Le reste, j'ai cru comprendre que c'était Monsieur Blanc qui s'était engagé. Question numéro 151. Alors, madame...